Bonjour à tous et bienvenue sur Jace Gaming pour cet agenda du mois de juillet 2015. Dis donc, déjà un mois qui est passé, franchement je m'en rends à peine compte. Donc on va faire rapidement un petit débrief du mois de juin. Hop. Donc le mois de juin, avec Common Sense qui est sorti, le multi Common Sense avec Codran qui a démarré. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont découvert la chaîne à ce moment-là parce que nous avons fait dans les 500 abonnés dans les 30 derniers jours. Donc bienvenue à ces 500 nouveaux abonnés. Du coup, nous sommes à 1400, ce qui est honnêtement... la chaîne en ce moment est vraiment en train d'acquérir une dynamique qu'elle n'avait pas avant. Donc c'est très bien, je suis vraiment très content. C'est grâce à vous tous qui écoutez cette vidéo, tous, absolument tous. C'est grâce à vous, donc bienvenue sur Jace Gaming pour ceux qui arrivent. Merci à tous ceux qui sont toujours là, qui répondent présents. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous, je me doute bien que pas tout le monde, mais je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui regardent toutes les vidéos que je fais, donc je vous tire mon chapeau. Même moi, j'oserais pas, je pense. Déjà, je les tourne, c'est déjà suffisant, je pense. Donc voilà, merci à tous d'être venus, d'être là, de rester. Donc on a pu voir que les saves Europa Universalis 4, j'avais eu des problèmes avec. J'ai des nouvelles informations à vous communiquer dans une vidéo qui sortira mercredi. Donc bah, là, ça a dû sortir, vous avez dû la voir déjà normalement. Ensuite, on a continué nos lives. On a arrêté les lives Galactic Civilization 3 le dimanche et on a fait un live Crusader King 2. Et là, on va faire des lives d'événements. Et dans les semaines à venir, sur le mois de juillet, pour l'instant, je ne laisse que live. Je ne sais pas encore exactement à quoi on va jouer. Mais il est probable que dimanche prochain, on fasse du Europa Universalis 4, par exemple. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Twitter ou à cliquer sur j'aime sur la page Facebook, vous savez. Ou sinon encore, rejoindre le groupe Steam Jace Gaming. Pour être informé et notifié de ce genre d'informations à l'avance. Je ferai pas systématiquement des vidéos YouTube pour expliquer le live qu'on va faire le dimanche. Voilà, donc ça au moins c'est dit. Donc du coup, sur le mois de juillet, on continue sur le créneau 3h du matin avec Pillars of Eternity. Notre game avance bien, on est à Odnua, on s'amuse. Moi je m'amuse vraiment beaucoup en ce moment, donc je suis vraiment content que ça continue. Donc sur tout le mois de juillet, on va continuer du Pillars of Eternity jusqu'à l'épisode 92. Donc ça fait que, ouais, c'est ça, voilà. Ensuite, bon, sur le créneau de 9h, ça va être un petit peu mouvementé. Comme vous pouvez le voir, il y a encore des trous de disponibles. En fait, on a le concept Crusader King 2 série relais qui sort, qui démarre lundi prochain, avec l'épisode 1. Le principe, je vous le rappelle pour ceux qui ne sont pas encore au courant, mais dans l'épisode 1, je réexplique entièrement en détail le principe. C'est qu'en gros, je démarre une game. Plusieurs autres chaînes YouTube aussi vont démarrer une game. Et à la mort de leurs dirigeants, vont passer la sauvegarde à une autre chaîne YouTube qui va poursuivre la partie. Et les sauvegardes vont tourner comme ça petit à petit. Donc vous allez avoir une game qui va commencer, je crois, le même jour sur la chaîne de Xalorian. Et vous allez avoir une game qui devrait commencer très rapidement, je me rappelle plus la date qu'il a mis, mais ça va aller très très vite, sur la chaîne de The Imperator 76, qui démarre une game à son tour. Et ensuite, toutes ces saves vont tourner. Donc moi j'ai commencé une série en Irlande, si vous voulez suivre les aventures de cette dynastie, ben vous irez de chaîne en chaîne pour regarder, peut-être que vous aurez des gameplays différents, des façons de jouer différents, des youtubeurs différents, je pense que ça sera très sympa, et donc moi je sais pas encore exactement quand est-ce que je vais récupérer une save, c'est pour ça que j'ai pas encore mis, j'ai laissé des trous ici, peut-être que je vais remettre d'autres trucs que j'ai en attente pendant ce temps, pour combler les trous on va dire, le temps que je récupère des saves Crusader King 2, mais le principe c'est de réserver ce créneau pour ce projet là, voilà. Ensuite, bon, à midi, on continue le EU4 Multi avec Codran, Xalorian et Tiberians Common Sense. Pareil, alors maintenant, à 15h, ça a changé parce que c'était à 18h sur tout le mois de juin. Et ensuite, j'ai décidé de renormaliser le créneau de 15h pour y mettre la série avec les teutons. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà enregistré jusqu'à l'épisode 27. Donc, sur tout le mois, seulement là en semaine, pas le week-end. Là, j'ai du mal à parler, dis donc. Vous avez eu des épisodes le week-end, là maintenant voilà, je diminue légèrement le rythme et on reste à 5 épisodes par semaine à 15h du coup. Et le soir à 21h on continue The Witcher 3, la chasse sauvage à 21h. Malgré le fait que la série ne marche pas vraiment très très bien, vous êtes très peu nombreux à la regarder, je comprends, ça me gêne pas. Je pourrais l'arrêter honnêtement, mais le truc c'est que les gens qui regardent, je pense qu'il l'apprécie beaucoup et j'ai pas envie de l'arrêter. Moi, le jeu me plaît, donc de toute façon, je vais y jouer. Donc moi, qu'est-ce que ça me coûte de plus de m'enregistrer pendant que j'y joue?
pas grand chose de plus, et de toute façon j'ai pas vraiment le temps de jouer sans record pour la chaîne, donc si jamais je lançais pas une série, pour le moment Witcher 3 j'y jouerai quasiment pas, et ça serait dommage. Donc moi ça me permet d'y jouer surtout, donc je vais la laisser là, on va continuer à 21h sur Wild Hunt avec Geralt. Donc je vous invite à aller regarder, hein, ça pourrait vous plaire. Ensuite le week-end on reste sur nos matchs de Blood Bowl. Au rythme où on risque d'arriver à finir la campagne avant que Blood Bowl 2 ne sorte, donc on verra jusqu'où on va, et en fonction de la date de sortie de Blood Bowl 2, en tout cas Blood Bowl 2 c'est pas pour le mois de septembre je crois, donc voilà, sur tout le mois de juillet, le week-end, vos deux matchs de Blood Bowl habituels. Comme vous avez pu le remarquer, cette semaine, ou la semaine, dès la semaine dernière, Star Wars Rebellion est décalé à 9h le samedi et le dimanche, au lieu que ce soit le lundi et le mardi à 15h, parce que comme j'ai expliqué, j'ai normalisé le créneau de 15h pour mettre Europa Universalis 4 avec l'ordre teutonique. Donc du coup, vu qu'on a fini la campagne d'Homeworld 2, même s'il me reste encore quelques missions Homeworld à faire que j'essaierai de positionner dans l'agenda quand j'en aurai l'occasion, eh bien on continue notre partie sur Star Wars Rebellion qu'on devrait, peut-être pas d'ici la fin du mois parce que là où j'en suis, j'ai pas encore gagné la partie, mais on est en train de s'en approcher de plus en plus. Donc probablement qu'au cours du mois d'août, on aura fini cette première partie avec l'Alliance Rebelle et on pourra continuer avec l'Empire Galactique dans la foulée. Ensuite, comme vous pouvez le voir, pour l'instant il n'y a que Invisible Inc. épisode 9 parce que ça va être le dernier de la série, étant donné que les campagnes Invisible Inc. sont assez courtes. Vous verrez dans la vidéo, je vous demande votre avis sur le fait de continuer ou pas. J'ai d'autres jeux, c'est-à-dire que si on jouerait pas Invisible Inc., je pense que je réserverais le créneau de midi pour y mettre du Convoy, parce que j'ai bien envie de jouer à Convoy. Le Jay Découvre que j'ai fait dessus m'a bien plu, j'ai bien envie de tenter une partie, je pense pas que les parties durent des heures et des heures, donc j'ai bien envie d'essayer ça pendant quelques épisodes, et puis ça permettra de voir si les gens ont envie de continuer à voir du Invisible Inc. ou pas. Moi je veux bien continuer à jouer, le jeu me plaît, ça serait bien d'augmenter un peu la difficulté parce que pour l'instant c'est assez simple, c'est assez facile, c'est normal. Voilà, donc on verra, vous verrez à cet épisode-là, vous pourrez me dire ce que vous en pensez. J'ai encore des Jedi Découvre qui arrivent, là j'en ai un sur Man of War, le mode Star Wars, qu'on m'a conseillé de tester. Bon, pour l'instant j'en ai pas prévu d'autres, mais bon, ce sera au gré des jeux qui sortent et qui m'intéressent. Notamment il y a Battle Hammer là que j'aimerais bien tester. Et voilà qui résume en gros notre programme du mois de juillet. Il n'y a pas de sortie de jeu particulière, il n'y a pas d'arrivée de nouvelles séries particulières sur ce mois de juillet. Du moins pas de prévu pour l'instant, ça peut bien entendu changer en plein milieu du mois. Donc restez connectés, continuez à vous pouvez passer sur l'agenda, il est en ligne, il est disponible, n'importe qui peut venir s'y connecter dessus et le consulter, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ah oui au fait après il y a les rediff Twitch, tiens d'ailleurs que j'ai oublié de mettre à jour. On est dit, voilà, donc ça c'est bon, hop, donc vous avez l'onglet rediff Twitch ici, ou quand je fais un live Twitch que je redécoupe et que je rediffuse sur la chaîne, vous avez les dates et heures, enfin date c'est pas une date, c'est un jour de la semaine et l'heure à laquelle c'est diffusé. Et par exemple pour Kerbal Space Program, à chaque fois le dernier épisode est diffusé quelques heures avant le live, comme ça si vous voyez l'épisode à 18h, vous pouvez voir la suite de nos aventures à 21h sur Twitch. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vite fait faire un saut sur la chaîne. Oups là. Mon dieu, vous découvrez mais ce que YouTube me recommande. Bref. Donc en termes de statistiques, comme vous pouvez voir, on est à 1433 abonnés. Donc ça augmente énormément. On a vraiment un rythme de développement assez impressionnant. Vous avez la page à propos ici si vous voulez avoir accès à ce genre d'infos. Vous voyez le nombre d'abonnés ici. Vous voyez le nombre de vues ici qui augmente pas mal. On est à peu près en moyenne à 3000 vues par jour en ce moment. Donc merci à tous. Sans vous, je ne serais rien et je ne serais personne. Les partenariats, les autres chaînes avec qui j'ai travaillé ou avec qui je vais travailler ou que je soutiens ou que j'ai envie qu'elles se développent, vous pouvez aller jeter un œil, commencer à en avoir un paquet, du coup ça s'affiche de façon aléatoire. Ensuite, vous trouvez ici tous les liens vers les réseaux sociaux, pour ceux qui découvrent la chaîne. Donc le Twitter de la chaîne, le Facebook de la chaîne, vous retrouvez l'agenda, le planning que je viens de vous montrer. Ma page sur jeuxvideo.com, bon il n'y a pas grand monde qui va. Vous avez le Social Blade, ça peut vous intéresser, vous pouvez y jeter un œil. Le Reddit aussi, je vais vous montrer le Reddit, ça peut être pas mal. Vous pouvez me faire un don si vous voulez, si vous cliquez là, vous pouvez faire un don, mais vous n'êtes pas obligé. Vous avez le groupe Steam ici aussi. On peut aller jeter un œil aussi, on va voir. Donc Social Blade, c'est un truc qui vous montre des statistiques, voilà, si vous voulez voir un petit peu les stats de la chaîne YouTube, comment elle progresse. Bon pour l'instant on est à -1 le dimanche, mais vous inquiétez pas, on est déjà dans le positif en fait. Ça permet de voir, voilà, on est en moyenne à 2282, mais ça c'est parce qu'au début du mois on était à peu près 1000, mais là ces derniers temps on est plus à 2900-3000.
Et vous pouvez voir des projections dans le futur, et vous avez les statistiques live ici, qui se mettent à jour en temps réel. Voilà, on est à 1434. Après, vous avez le subreddit de la chaîne. Bon, il n'y a pas beaucoup d'activités, je vous invite. Hein, pour moi, je le considère un peu comme un forum, ce truc-là. Donc, n'hésitez pas à venir, créez des nouveaux sujets, posez-moi des questions sur n'importe quoi. Il n'y aura pas de souci, j'y répondrai. Alors, peut-être pas tout de suite, parce que bah, vu qu'il n'y a quasiment pas d'activité, j'y suis pas très très souvent, mais s'il commence à y en avoir, j'y serai plus souvent. Par contre, vous retrouvez ici les posts avec les liens ViewSync pour regarder, la série European Universalis 4 multijoueur avec, vous voyez, en multi-view, chaque truc est là, et vous pouvez, voilà, je vais pas le lancer quand même. Ça permet de... Et puis en plus, c'est l'avantage, c'est que pour nous, ça génère une vue sur chacune de nos vidéos, donc c'est vraiment l'idéal. Et pour vous, ça vous permet d'avoir toutes les vues, les quatre vues en même temps. Vous n'avez pas à choisir est-ce que je vais voir machin ou est-ce que je vais voir bidule. Vous pouvez voir tout le monde en même temps, donc c'est vraiment l'idéal. Enfin, la communauté Steam, vous pouvez rejoindre le groupe. On est 43 déjà maintenant, ça a pas mal monté ces derniers temps. Je suis curateur sur Steam où je... conseils, en fait c'est tous les J-Découvre que vous pouvez retrouver ici. N'hésitez pas à créer des discussions, pour l'instant il n'y en a pas beaucoup, ça va venir. Les événements, donc ce soir on a l'événement, bon c'est déjà passé maintenant, mais on a le live spécial 1000 abonnés. Donc les événements vous les retrouverez ici, vous retrouvez surtout les annonces, c'est ça qui va être important. Dès que des lives commencent ou que des événements particuliers commencent, je le poste sur le Steam. Donc rejoignez le groupe et vous aurez un maximum d'informations. Par contre, je vais commencer à ne plus accepter les demandes d'amis sur Steam parce que je commence à avoir beaucoup de monde qui m'ont rajouté en avis. Et je commence à avoir du mal à gérer parce que, bah, oui, c'est rigolo de laisser un message pendant que je recorde, mais je n'ai pas la communauté Steam d'activer pendant que je joue, donc on ne voit pas vos messages, on ne les voit jamais. C'est pas la peine. Et je veux bien, voilà, rajouter des gens en amis, mais je commence à avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde et forcément, au bout d'un moment, je ne peux plus, quoi. C'est normal, sinon je m'en sors plus. Donc rejoignez le groupe, discutez avec moi à travers le groupe, à travers Twitter, à travers Reddit, à travers les commentaires sur la chaîne YouTube. Faites-vous plaisir quoi. Voilà, donc merci à tous, je vous souhaite un bon mois de juillet sur Jace Gaming. Je suis vraiment, merci à tous d'être avec moi. Ça me touche vraiment au fond du cœur et je vous souhaite du coup une très très bonne journée. Et je vous dis à dans un mois pour le planning du mois d'août. Allez, ou plutôt à tout à l'heure pour le prochain épisode que vous allez regarder. Salut à tous !